Hello, hello la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vous voyez bien, je vous montre un peu tout ce que le bazar qu'il y a. J'espère que vous allez bien, moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, je suis en train d'organiser, nettoyer, faire le grand ménage juste avant la rentrée. Donc voilà, je suis en train de mettre le bazar de partout. J'ai des chaises à monter, j'avais vendu les anciennes chaises. Là, je suis en train de vous montrer plus ou moins le bazar qui est à la maison depuis quelques jours. Je suis en train de faire le ménage. Là, c'est là où les enfants mangent souvent. Voilà. Et là, je pense que je mettrai une plante là. Voilà. Et parce que j'ai changé, parce que je vais changer une bonne fois. Là-bas aussi, je mettrai une plante. Voilà. Voilà, il y a trop de bazar. Voilà, je vais monter mon chandelier. Je sais pas si c'est comme ça que je vais appeler. Voilà, je peux pas dire comment on appelle. Je peux pas dire autre chose. Voilà, le canapé, je vous montre. Je pense que je mettrai ça aussi sur le bon coin. Ça fait une année que j'ai, ça fait sortir les moumoutes, je sais pas comment on s'appelle ça, les boutons. Donc du coup, je mettrai ça sur le bon coin, les deux canapés, comme les chaises, et je vais les vendre. Donc voilà, tout ce que je vous montre. Tout ce que je vous montre, voilà. Tout ça, la petite table là aussi, je mettrai ça sur le bon coin à vendre. Et voilà, je jette rien. La table basse aussi. J'en ai assez de voir ça. J'ai toujours peur des quatre coins, les huit coins là. Donc, je mettrai ça aussi sur le bon coin. Je vais décorer ça. Et je vais faire les photos. Je mettrai sur le bon coin. Et je pense que je veux le vendre aussi. Voilà. J'ai déjà repéré une autre table que je vais acheter. Une table basse. Voilà. Je change comme ça de temps en temps. Tout ça là, je vais mettre les plaids sur les canapés. Pour la décoration, j'espère que vous allez aimer le home tour. Voilà, le vase de Bob s'est cassé ce matin. Donc voilà, pour le moment, j'ai pris le pot de fleurs là, j'ai mis Bob à l'intérieur. Vu que j'étais dans le ménage, je pouvais pas sortir pour aller acheter un autre bol. Donc du coup, je l'ai mis là-dedans. J'espère qu'il va tenir au moins jusqu'à demain ou après-demain. J'irai prendre notre bol pour Bob. Salut Bob, regardez là-bas. Oh Bob. Voilà, là-haut, je vais mettre un luminaire qui est juste derrière la table à manger là-bas. Voilà, j'ai pris ça chez le roi Merlin. Non, j'ai pris ça chez le roi Merlin. Oui. J'ai eu ça chez le roi Merlin. Voilà. Je vais mettre ça là. Donc, j'attends la personne qui vient là. Voilà, le bazar là, les rideaux, tout ça là, c'est à changer. Je vais changer tout ça là, je vais laver, je vais changer. Ça fait un moment que je change pas les rideaux, je lave, je remets les mêmes choses. Franchement, ça vaut le coup de changer. Ça fait des années là, c'est le panier que je mets les plaids pour se couvrir, pour mettre sur le canapé. Je mets ça souvent derrière le canapé, là, juste là, je mets ça. Et voilà, donc ça a renouvelé aussi les plaids. Ça fait au moins 3-4 ans que j'ai les mêmes plaids. C'est pas bon, il faut renouveler. Voilà, ma télé était jusque là, à côté là, comme c'était l'été. Donc j'ai tout poussé là, vraiment. J'ai mis les baffes tout autour. Donc j'ai poussé la télé vraiment là. Et voilà, j'ai décoré, essayé un peu. Le cadre photo que vous voyez là, c'était juste en haut là. J'avais mis les scotch mural là, je sais pas comment c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà celle-là. Donc du coup, je mets ça, ça tombe avec le soleil. Ça tient pas bon. Franchement, je recommande pas ça. Ça tombe tout le temps, donc il faut que je remplace ça. Voilà le palmier que j'ai mis là. Franchement, j'adore ce palmier. Mon palmier a déjà 2 ans. Je t'aime. Voilà. Là, vous voyez, bon, le bombe métallique argenté. Que je suis en train de bomber pour changer, j'en ai ras de bombe du noir. Je suis en train de customiser ça en argenté. J'allais mettre le blanc, je me suis dit non, mais pourquoi pas argenté. Mais le rendu, vraiment, j'adore. Franchement, c'est rapide, efficace et tu changes facilement. Tout le monde peut le faire. Là, il n'y a pas la magie, faut juste avoir un peu de patience. Voilà, c'était en noir. C'était pas mal aussi en noir, jusqu'à ce que je me fatigue du noir et je pensais mettre ça.
la couleur métallique. Voilà, je le mets. C'est juste derrière ma maison que je fais. Voilà, ma maison, mon appartement. Et voilà. Tout est possible, ça change. Ça fait, c'est comme si j'ai acheté un œuf. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'adore. Franchement, voilà comment c'était en noir. La façade, donc j'avais nettoyé, décoré, et là je vais bomber ça et on verra la suite. Voilà, là j'ai ramené de la maison. Là je vais maintenant décorer ça. Oh, le moment que j'attendais, c'est tout beau. J'adore, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'adore. J'aime le rendu. Vraiment, ça. Oh là là là, c'est comme si j'avais acheté neuf comme ça, là, de la couleur là. Oh, je ne sais pas pourquoi j'avais pas pensé avant. Je suis en train de vouloir mettre. Je mets d'abord mes bougies. Je mets ça, mais je pense que à la longue, je vais enlever ces bougies-là. Ouais, ce que je suis en train de mettre là. À la longue, je vais enlever ça. Et voilà, là, je pose maintenant mes bougies. Je pose vraiment tout. J'avais déjà acheté un tout petit peu aussi. Donc, souvent, j'allume ça. C'est des bougies parfumées vanille. Donc, souvent, j'allume ça aussi. Quand j'ai rupture de bougie, je prends là, j'allume. Et voilà, je vais remplir mon chandelier, comme on dit. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais dites-moi en commentaire comment je vais appeler mon petit coin bougie. Je ne sais pas. Franchement, j'adore ce petit coin-là. Quand je vois ça, ça m'apaise. J'adore vraiment les bougies, les plantes. Franchement, j'adore. Donc, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis tout doucement. Quand je peux dormir le matin, je me réveille. Une idée peut arriver, je peux changer d'idée et puis je change encore de décoration. Tout peut arriver avec moi. Je ne sais pas vous comment vous faites chez vous, mais moi c'est ça. J'ai tous les jours, j'ai des idées, je change tout le temps. Le matin, je me réveille, je fais comme ceci. Demain, je rechange. On me dit toujours, mais tu n'as rien à faire, tu changes tout le temps, franchement. Mais c'est bien, ils sont contents quand même quand je change comme ça. Vous, je ne sais pas si vous changez aussi beaucoup chez vous, mais moi, j'adore le changement. Franchement, magnifique. J'adore. Je remplis, je remplis, je vais tout remplir. Et parfois, dans quelques jours là, parfois, je peux prendre une bougie, allumer quand il y a trop. J'ai envie de regarder la télé dans le noir, j'allume les bougies. Donc, je prends au moins deux, trois bougies, je mets sur un plateau et puis j'allume. J'adore voir les bougies allumées aussi. Donc, souvent, voilà, si vous voyez des trous, c'est que j'ai pris. Voilà, je range, je range, je range, je range. Voilà, franchement, j'adore. J'adore le rendu. Franchement, c'est tout blanc. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Je ne sais pas, laissez-moi un commentaire si vous aimez aussi. Si vous trouvez que je dois changer quelque chose, ou pourquoi pas, dites-le moi. On est en train de faire ça ensemble. J'attends vos commentaires. Dites-moi si vous aimez, si vous voulez que je change quelque chose. Dites-le moi. Sachant que j'achèterai les plus longs, pardon, les plus longues bougies que je vais mettre derrière, que je vais enlever les deux en métal là. Je vais enlever ça et je vais mettre les grands bougies. Voilà. Et en haut, j'ai fini en bas. En haut, je vais mettre mes deux bougies que je suis en train de nettoyer. J'ai pris un peu de temps pour nettoyer. Donc voilà. C'est vraiment un coin que j'adore. Vraiment, j'adore ce moment-là. J'adore ce coin. Quand je me réveille, je vois ce coin. Ça m'apaise. C'est vraiment magnifique. J'adore. Voilà, là je vais poser maintenant mes deux bougeoirs que j'ai customisé aussi. C'était en noir. J'ai customisé, j'ai décoré tout en haut là. J'adore parfois. À un moment, j'adore le bling-bling. À un moment, j'adore le bling-bling. Ça, c'est. J'ai acheté ça pour l'anniversaire de mon fils. C'est les trois derniers. Voilà. Il y a le grand, la petite et le plus petit. Voilà. Et là, ça, c'est ma boîte à mouchoirs que j'avais customisée. Ceux qui ont vu la vidéo, ils savent. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez regarder les anciennes vidéos. Et voilà, ça aussi, c'est. Voilà, le rendu. C'est magnifique. Ça, c'est le côté bling-bling que j'adore, que j'aime. Pour le moment, c'est ça que j'aime. Franchement,
J'adore le rendu. C'est comme si je viens acheter encore un nouveau truc. Vraiment, n'hésitez pas à bricoler parce que ça change de tous les jours. Là, ça change du tout. Ça fait, c'est comme si je venais d'acheter encore un nouveau truc. Franchement, le rendu est magnifique. Ça, c'est un coin que j'adore. J'adore, j'adore. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Style Bella El Kabir, vous attendez quoi? Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. On va customiser les choses ensemble. Pour ceux qui sont déjà là, merci beaucoup de votre soutien. Merci, merci pour toutes les personnes qui sont toujours là dès que je poste une vidéo. Je vous remercie. Vous n'êtes pas vraiment les abonnés, les amours fantômes. Merci.